Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui le 18 octobre 2023 sur YouTube pour un petit tirage astro pour les énergies du mois de novembre. J'ai déjà mis en ligne, je vous montre. Donc vous pouvez trouver déjà le signe de la balance, le signe du taureau, le lion, le gémeaux, le poisson, la vierge et le scorpion. Que vous pouvez déjà donc aller voir si vous êtes ces signes-là en signe solaire, ascendant ou lunaire. On va regarder maintenant de quel signe on va parler dans cette vidéo. Si vous le voulez bien, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer la petite cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos. Voilà, et bien entendu, ce sont des tirages généraux. Merci de rester dans le discernement. Ne prenez que ce qui résonne pour vous. Vous pouvez me contacter si vous avez besoin d'un tirage privé via Instagram ou via ou par mail. Voilà, ce sont bien évidemment des prestations payantes. Allez, on est parti du coup. De quel signe on va parler? Il reste plus beaucoup de cartes. Je ne sais pas si elles vont sauter. Je vais faire comme ça, sinon je vais aller la chercher. Hop là, bon bah on va aller chercher. Allez, pique-nique douille, on va prendre laquelle? Allez, on va prendre ça. Oh, et ben on va parler du Verseau. Donc si vous êtes Verseau en signe solaire, en ascendant, pardon, ou en signe lunaire, tac, 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 je vous invite à rester sur cette vidéo. Du coup, c'est mon signe. Allez, c'est parti pour les Verseaux. On va regarder déjà ce qui va se passer au niveau général pour les Verseaux pour le mois de novembre. Ensuite, on va aller faire un petit tour du côté du Love Love. Et enfin, on va aller voir ce qui se passe aussi au niveau du professionnel. Allez, pour commencer ce tirage, je prends le tarot des enchanteurs. Je vais faire une coupe. Et je vais tirer 5 cartes. Allez, du coup, pour les Verseaux... Allez, maintenant, ok, cavalier de denier, ok, et 8 d'épée. Bon, j'ai jamais vu, il y a des pendules là, en fait, sur ces cartes-là. Le cavalier de denier, il avance, mais en fait, c'est quelque chose, un travailleur de fond, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est forcément rapide. Mais il est persévérant, le cavalier de denier. Il lâche rien, il abandonne pas, il avance. Quoi qu'il arrive, il avance. Donc c'est ça que vous faites en fait. Je pense que vous êtes très déterminé sur quelque chose et que vous avancez. Même si peut-être que vous n'avez pas l'impression avec ce 8 d'épée, ou peut-être que vous avez l'impression qu'on vous met un petit peu des bâtons dans les roues, que ça ne se passe pas comme vous voudriez. Pourtant, pour moi, vous avancez. Voilà, on va regarder du coup 5 cartes pour affiner un petit peu ce tirage. Ok, j'étais en train de penser du coup, mais est-ce que du coup c'est positif que les Verseaux avancent ou pas? Parce que vu qu'ils n'ont pas l'impression, mais bon c'est vrai qu'on dit avec le cavalier de denier que c'est déterminé, mais le résultat il est où? Eh bien le résultat il est là, le soleil, le succès, le bonheur, donc voilà, donc continuez à avancer. Hein, continuez à rester persévérant, ne lâchez rien. Voilà, allez. Ok, on a le magicien, mais retournez. Peut-être que vous ne savez pas trop comment vous y prendre pour ce qui se passe en fait. Il y a peut-être un petit peu, pas du bidouillage, mais... ouais, il y a l'empereur à l'envers aussi. Bon, par contre, j'ai que des arcanes majeures. Ok. Du coup, on a le soleil. On a 5 arcanes majeures, les gars. C'est énorme. Le magicien à l'envers, l'impératrice, l'empereur. Donc, il y a l'empereur, l'impératrice et l'empereur.
ils ne sont pas dans le même sens, mais ils sont tous les deux là. Et on a le fou. Il y a le succès. Il y a le succès qui arrive. De toute manière, le soleil, c'est le succès, c'est le bonheur. Mais je pense que peut-être il y a des hauts et des bas. Comme vous ne savez pas trop comment... Enfin, avec le 8 d'épée, c'est un petit peu... Il y a peut-être un petit peu des contrariétés. J'ai envie de dire ça. Du coup, ça avance peut-être pas comme vous voudriez. Il y a de la construction, mais peut-être que... peut-être qu'il va y avoir des choses à faire autrement. Parce que là, en fait, c'est la technique. J'ai un peu l'impression que la technique n'est pas, peut-être pas la bonne ou... Il y a des mises au point. Je pense qu'il y a des mises au point à faire pour que aller vers un renouveau. Donc, il y a de la fertilité. Il y a de la fertilité dans ce que vous voulez, en fait, dans ce que vous mettez en place. Mais il y a peut-être un petit peu des bidouillages dans la façon de faire. Moi, c'est ça que je vois. Voilà, pour ceux qui me connaissent, vous savez que ça doit me parler, hein. Allez, on va regarder du coup... On va regarder, ben non, je regarde, je prends le même jeu. Je voulais changer de tarot. Il est là. On va prendre le tarot, le Light Seers Tarot pour continuer ce petit message. Allez. Hop. Qu'est-ce qu'on va nous dire avec le Light Seers Tarot? Pour les Verseaux, pour le mois de novembre. Ok, allez au bout de vos rêves, ne lâchez rien, c'est ça, hein, vraiment, ne lâchez rien, allez au bout de vos rêves, vraiment, faut pas abandonner, surtout pas, même s'il y a des petites difficultés, même si c'est parfois un petit peu compliqué, ne lâchez rien, vraiment, c'est ce que j'ai envie de dire, c'est le mot d'ordre, lâchez pas, continuez, allez, on fait une coupe, j'ai dit. Ok. Le 3 d'épée. Bon. Et le jugement. Il y a peut-être des blessures, en fait. Ça va peut-être... Ce qui se passe, ça va peut-être réveiller des choses par rapport à vous. Parce que le jugement, moi, je la vois vraiment par rapport à votre être, vous, par rapport à vous, en fait. Et le 3 d'épée, c'est les autres par rapport à vous. Je pense que des blessures peut-être, c'est peut-être pour ça que il y a le magicien et l'empereur à l'envers, c'est peut-être par rapport en fait, c'est peut-être pas votre technique, c'est peut-être les retours un petit peu des autres, ou il y a des choses qui vont être ravivées peut-être au mois de novembre, des petites blessures. Ok, on est dans un apprentissage. Genre, vous n'avez pas encore appris la leçon, on vous la remet sur votre route. Hop, ah non, pas celle-ci, ça va pas sauter vraiment. Allez. Allez. Oula, trop de cartes, les gars, trop de cartes. Oui, il y a le magicien à l'envers, hein. Magicien à l'envers à côté du magicien à l'envers. Ok. Allez. J'ai dit... Ok. Ok. C'est un apprentissage du relationnel, en fait, pour moi. Donc là, le truc, c'est peut-être... ça va être par rapport à du relationnel, c'est dans ce bonheur ou cette fertilité. Donc peut-être pas par rapport à... je sais pas comment expliquer, à quelque chose que vous faites, mais plutôt avec le retour que vous avez dessus, en fait. Ou les gens autour de vous. Ne lâchez rien, allez au bout de vos rêves, allez au bout de vos rêves, vivez, on s'en fout des autres, on s'en fout de ce que les gens disent, on continue, c'est le bonheur, c'est le succès, ça va se faire, vous allez restez déterminés, hein, on avait ce cavalier de denier, allez au bout. Gardez en fait, gardez cette puissance, cette passion en vous.
cette fougue, j'ai envie de dire cette fougue avec cette carte pour avancer. Même si, voilà, il y a des petites choses avec le relationnel qui sont peut-être un petit peu mitigées au mois de novembre. Ok, le 2 de bâton et. Peut-être que c'est une seule personne hein, qui vous fait douter. Peut-être. Ouais, écoutez votre intuition. Du coup, quand je parle de doute, écoutez votre intuition. Parce qu'en fait, ça vous fait douter. Parce qu'avec le 2 de bâton, j'ai le doute. Donc, le doute d'aller de l'avant, le doute d'y aller. Allez-y. Allez-y, allez-y, je répète, restez déterminés, allez au bout de vos rêves, ne doutez pas. Je pense qu'on va, on va essayer de vous faire douter au mois de novembre, on va essayer de vous faire douter sur quelque chose, mais écoutez-vous le jugement, écoutez-vous, pas les autres. Ce 3 d'épée, next, faut l'oublier, donc écoutez-vous, écoutez pas le jugement, ce que disent les autres par rapport à ce que vous faites. Des gens qui vont vous juger, il y en aura tout le temps. Osef, on s'en fout, allez, next. Allez, on va regarder du coup du côté sentimental, ce qui va se passer du coup pour les Verseaux. Pour le mois de novembre. Allez, petit Verseau. Beaucoup de cartes. Allez, maintenant. Oubli. Ok. Et bonté. Peut-être qu'il est temps de passer à quelque chose d'autre. De meilleur pour vous. J'ai envie de dire ça au niveau sentimental. Peut-être que peut-être qu'il est temps d'oublier de passer aussi. De laisser la place pour autre chose. J'ai envie de dire ça, c'est ça qui me vient dans la tête. De laisser une page blanche. C'est ça qui me vient. Donc ouvrez un cahier, ouvrez un livre, quelque chose d'autre en fait, de neuf. Laissez le passé là où il est. Ok, la sincérité. Ah, pas celle-ci, elle n'est pas tombée. Enfin, elle n'a pas sauté. Ok, on vous parle d'harmonie, de souplesse, de sincérité, harmonie, souplesse. Ok, quoi de plus? Je vais prendre celle-là. Bah oui, hein, on va... L'amour, ok. Et la dernière, la bonté qui revient. Ouais, c'est ça, on ouvre une page, enfin, on écrit une page blanche, c'est ça qu'on dit, je crois. Quelque chose de plus harmonieux arrive à vous. Quelque chose où, par contre, il va falloir rester flexible, c'est-à-dire que... faut pas avoir des idées préconçues du truc. Déjà, en fait, il va falloir rester un petit peu souple. Peut-être ça va vous désarçonner, c'est ça que j'entends. Désarçonner. Pas forcément quelque chose de prévu, du coup. Mais c'est quelque chose qui va... La sincérité, oui, qui va vous désarçonner, en fait. Et ramener de l'harmonie. En tout cas, c'est l'amour. Donc l'amour arrive pour vous si vous n'êtes pas en couple ou même si vous êtes en couple, l'amour revient, le regain d'amour et la bonté. Donc quelque chose qui vraiment va vous faire du bien et va vous faire oublier le passé. Et du coup, on next le passé. Voilà, on va regarder un petit peu maintenant ce qui va se passer avec un super oracle. Attendez que je vous montre la boîte. L'oracle de Calypso qui sort demain. Donc, enfin, ça dépend quand est-ce que vous allez voir la vidéo. Je vous rappelle qu'on est le 18 octobre sur cette vidéo. C'est pour ça que je dis demain parce qu'il sort le 19 octobre. Allez, on va regarder du coup avec mon oracle qui
histoire de vin. Oui, je sais, je l'ai déjà dit. C'est parce qu'en fait, j'essaye d'assimiler l'information en même temps. Donc, oh putain, pardon. L'amour avec un grand A. Ok. Ok. Je crois que c'est clair. Hein. On a l'amour là, on a l'amour là. Bon. Bah écoutez, je vous ferai un petit retour au mois de novembre. Enfin, je sais pas, je verrai, mais... Vous me ferez un petit retour aussi, les autres versions, mais... Moi, c'est pas prévu, hein. Je vous dis, j'ai autre chose à faire, hein. Mais bon, bref. Allez. Allez, on fait une petite coupe, du coup. Allez, hop là. La confiance. La confiance. Allez, maintenant. Ok, oh. Bon, bah, alors là, c'est je sens ta peau. Donc, cette carte, elle veut dire ça. Je ne dis pas le mot, mais passion, désir. Voilà. Bah, ça va être chaud. Je pense que on arrive en hiver et du coup, on a besoin de se réchauffer un petit peu. Donc, voilà. Donc, et je vais couper. Oh, bah, le coup de foudre. Le coup de foudre. La rencontre. Coup de foudre amour. Bah c'est plutôt ok, hein. Enfin, c'est plutôt pas mal. Pour les Verseaux, disons. J'ai plus de mots du coup. J'en perds mes mots. Allez, on va regarder 5 cartes. J'espère que ça va être aussi bon. Allez. Ok. Ok, la guérison, l'amour de soi, la clinique des cœurs brisés, l'amour avec un grand A qui revient, quelque chose qui va vous aider à guérir de quelque, d'une autre, du passé, j'imagine. Ok, le travail, peut-être une rencontre par rapport au travail, peut-être un travail à faire sur vous. Peut-être un travail à faire sur vous, puisqu'on a la carte de lâcher prise. Donc voilà. On résume. On résume, ça va être chaud. non, mais c'est, je rigole pas. En vrai, là, du coup, ça va être plutôt pas mal pour l'amour au niveau des Verseaux pour le mois de novembre. Il y a quelque chose qui se met en place, quelque chose qui va vous désarçonner, je pense, qui n'est pas prévu. Parce que de toute manière, il y a un coup de foudre. On a vu, hein, enfin, en tout cas, c'est la carte, là, j'ai écrit dans le texte, Love at First Sight. Donc, l'amour au premier regard, l'amour au premier signe. Vraiment, donc voilà, donc là pour moi, il y a quelque chose qui vraiment va vous faire du bien, puisqu'il y a la bonté en plus. Donc pour moi, ça vous fait passer à autre chose. Peut-être c'est avec quelqu'un que vous connaissez déjà, hein, mais en tout cas, il y a vraiment du nouveau. C'est du renouveau. Donc soit avec une rencontre, un coup de foudre, soit avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Puisque la carte veut parler, c'est pas la seule signification, c'est amour aussi. Et là, on a du coup cette carte merveilleuse que j'adore, amour, union, accord parfait. Accord parfait. Donc vraiment, je l'aime trop cette carte. Je passerai des heures, je sais pas, franchement, je passerai des heures à la regarder cette carte. Elle me fait du bien rien que de la regarder. Je sais pas vous, c'est pour ça que je vous la montre, parce que elle a tellement d'amour dedans. J'y ai tellement mis d'amour que voilà, bon bref. Donc on vous dit par rapport à votre travail peut-être, ou le fait de travailler sur vous, en tout cas, on vous dit de lâcher prise, de laisser faire les choses, de ne pas y penser. Même après avoir vu cette vidéo, il va falloir vous focus sur l'amour, hein. On laisse faire les choses, on ne regarde pas tout ce qui... on scrupte pas aux alentours pour voir si vraiment il n'y a pas quelqu'un qui arrive. On laisse faire les choses. On va regarder avec quel signe ça pourrait être au mois de novembre pour vous, les petits Verseaux. Allez, avec qui vous êtes compatibles. Oula. Avec les Taureaux. À
avec les poissons ou bien. Avec les cancers, donc la personne que vous allez rencontrer ou que vous connaissez est susceptible d'être taureau, poisson ou cancer. Ça peut être en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire. Voilà. Allez, on va ranger le sentimental et puis on va passer au professionnel. Du coup, pour les Verseaux. Allez, on rend les petites cartes. Hop. Donc le professionnel, on va prendre le Béline. Allez, je l'aime bien le Béline. Je l'aime bien pour le pro. Enfin, je l'aime bien pour tout, mais je le prends souvent pour le pro. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire avec le Béline? Allez. On va faire une coupe. Donc là, on vous parle de famille. Allez, j'ai dit, je fais une coupe. Ok, un homme. Cadeau du ciel. Bon, on est sur le professionnel, hein, on a dit. Mais bon, comme le sentimental était possiblement susceptible d'être lié au professionnel, ça pourrait être une confirmation que on vous met quelqu'un sur votre route. Un homme, si vous êtes intéressé par les hommes, ou ça peut être vous, homme Verseau, qui me regardez, on vous dit qu'on vous met un cadeau sur votre route. Allez. Il y a eu la carte de la famille. Un petit lien d'âme. Bon, c'est possible parce que là, ça vient de me... Ouh, il y avait la carte de la famille quand même. Donc, alors, la roue tourne. La chance, le hasard. Pour le professionnel. Bah écoutez... Le tirage du Verseau, là, même s'il y a des cartes négatives, on a la carte bleue qui est la meilleure du jeu, n'est-ce pas? Bon, bah, écoutez, le bonheur, allez, on continue. Il y en a deux, là. On continue. La passion, allez, on la prend. Ça correspond bien avec ce qu'il y avait avec le tarot. Allez. Une dernière carte. Non, il y en a deux. Il y en avait même trois. Bon, ça veut pas? On n'en aura que quatre? Bon, bah si, on va finir là-dessus. Bon, ah non, mais il y en a deux. Mince. Bon, je ne les prends pas. Bon, il y avait la renommée. On va quand même le prendre un petit peu en compte parce que j'ai vu que la renommée de base, ce qui pourrait être pas mal. Oh, bah, il y en a encore deux. Élévation femme. Si vous êtes une femme et que vous me regardez, il y a une élévation pour vous, niveau professionnel. Ok, allez, on va prendre la découverte. Bon, c'est plutôt pas mal, c'est même plutôt fabuleux, on va dire. Niveau professionnel, au mois de novembre, le hasard, la roue qui tourne, la carte bleue, tout est beau, tout est bien. Tout va bien, le bonheur, la passion, quelque chose, peut-être un boulot qui vous passionne, un boulot passion. En tous les cas, vous allez découvrir des choses, ça peut pour certains être une formation aussi, ou en tout cas découvrir des nouvelles choses, des choses que vous ne connaissez pas. Donc ça peut être un changement de poste aussi, enfin il y a des... Voilà, mais en tous les cas, tout va bien. J'ai envie juste de dire tout va bien. Allez, on va regarder 2-3 runes. Ok. Oh,
les contrats, l'amour, Gebo. Gebo, c'est le partage en fait, la rune du don et du partage. Donc, ok, c'est où? L'accroissement des biens, l'abondance. C'est plutôt pas mal. Et allez, une dernière, bon ben. Quelque chose en fait qui a mis du temps à se mettre en place, c'est ma naze. Ça peut parler aussi d'union, hein. Ça peut parler de choses qu'on ne fait pas seul. Des contrats, des échanges d'énergie. Peut-être on va vous faire un cadeau aussi avec cette rune. Vraiment, c'est la rune du don, c'est la rune de l'énergie, de l'échange d'énergie. On donne, on reçoit, on reçoit ce que l'on donne aussi. Donc, effet où, c'est l'accroissement. C'est l'abondance, l'accroissement par le travail. Donc, tout ce que vous avez mis en place, ça va payer. Ça va payer et ça fait longtemps parce que mana, c'est on arrive quelque chose qui arrive à terme après un dur labeur, un long moment. Et là, ça rejoint le cavalier de denier qui avance malgré tout, qui lâche pas, qui est déterminé. Qui fait son travail de fond, bah mana, ça rejoint. Donc, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez mis en place, ça paye. Ça paye. Donc, encore une fois, allez au bout de vos rêves. Passion, il y a la passion. Donc, continuez à rêver, continuez à y croire parce que c'est vous êtes vraiment sur la bonne route, j'ai envie de vous dire. Vraiment, il n'y a que du bonheur pour vous. Bon, bah je pense que je vais arrêter là. Hein. Je suis toute émue. Je vous fais des gros bisous, petit verso, et je vous dis au mois de décembre. Gros bisous!